Zhang Jiujun, le directeur du bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État, a fait le point avec les membres des médias sur la rencontre. Il a notamment déclaré que la rencontre était significative et positive pour le développement à long terme des relations transdétroites. Pendant la réunion, les deux dirigeants ont eu un dialogue constructif. Ils ont échangé leur avis sur le développement pacifique et sur le renouvellement national chinois. Ils ont revu l'historique des relations de part et d'autre lors des 66 dernières années et ont confirmé les résultats fructueux en plus de se rappeler les leçons historiques de cette relation. Ils ont aussi montré leur empressement à faire avancer les relations entre les deux parties et ils ont atteint un consensus positif. Zhang Jiujun a aussi rappelé que la partie continentale de Chine et Taïwan ont ouvert une nouvelle ère de développement pacifique depuis 2008. Il a souligné que Pékin oriente les relations transdétroites dans la bonne direction. Zhang a réaffirmé que la partie continentale de Chine est impliquée dans l'élection prochaine à Taïwan.